Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut convertir les unités de l'intensité du courant. L'intensité de courant se mesure en ampères, de symbole A. Mais on peut avoir des multiples et des sous-multiples, des multiples comme les kiloampères, des sous-multiples comme les milliampères et les microampères. Donc, par exemple, 1 milliampère, je viens placer le 1 ici dans ma case milliampère et je veux me mettre en ampères. On est donc ici. On n'a rien entre les deux. On va donc rajouter des zéros, comme on va faire pour les autres unités. Et donc, on va avoir 0,001. Si je prends le cas de 2 ampères en milliampères, je vais donc avoir 2 ampères. J'ai besoin d'LM en milliampères. Je me décale donc vers la droite et je me décale d'autant de zéros qu'il faut que j'aille pour arriver à mon unité. Je vais donc ici avoir 2000 milliampères. Et vous pouvez faire cela pour les différentes valeurs.